Émilie, je ne vis que du bonheur de vous regarder. Vous me croisez parfois et vous ne savez pas que chaque frôlement est une souffrance. Cette lettre ne vaut rien car elle n'est pas signée. En espérant qu'elle vous enivrera peut-être du seul bonheur de vous savoir aimer. Oh, excusez-moi. Vous pourriez... Oui, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Faut que t'arrêtes avec papa. Ça fait 4 ans qu'il est parti, il reviendra pas. Je sais que tu voudrais que je rencontre quelqu'un de bien qui m'aime. Ou même quelqu'un de pas bien. J'ai voulu leur donner un peu de force. Une lettre anonyme. Je l'ai recopiée et je l'ai envoyée. J'ai reçu une lettre. Une lettre d'amour. Inspirée, émouvante. C'est formidable. Un ange qui t'a écrit cette lettre. Ça fait 5 jours que j'attends le facteur. T'attends une autre lettre? Toi, si tu recevais une belle lettre d'amour qui te bouleverse, t'en attendrais pas une deuxième? M'a dit. Bah, il t'a écrit, non? Je vois pas pourquoi t'es déprimée. Ouais, c'est nul. C'est frigide. Ça se dit pour une lettre, hein? Pour celle-là, sûrement. Je l'ai vu. Mon mystérieux amoureux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Excusez-moi, je vous dérange. Un petit peu. Pas moi, en tout cas. Vous pourriez pas la sortir un peu, juste à regarder avec les yeux qui brillent? Je ne sais pas faire les yeux qui brillent sur comment. Il le reste d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'a pris, maman? C'est toi qui m'as dit de le charmer doucement, de loin. Mais ça, doucement et de loin? Mais je peux quand même pas le faire de mon canapé. C'est quelqu'un de très timide. Je crois qu'il a juste envie de m'arracher mes vêtements. Tu sais qu'il m'a embrassé avant de partir. Et hop, sans le capot d'une bagnole. Pour un gars si réservé, c'est plutôt surprenant. Faut croire que je l'ai rendu heureux. Oh putain! T'emballes pas trop quand même. Où est-ce que vous allez? Parlez à votre mère! Ah non, s'il vous plaît, faites pas ça!